Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Dying Light. Nous allons continuer notre partie, donc le deuxième chapitre, le réveil. Donc on va avoir notre équipement et on va faire notre première sortie. Alors, attendant. Bonjour. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. C'est moi. Je m'appelle Crane. Donc tu n'auras pas survécu quelques jours. Crane. Inutile que je me casse la tête à retenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que t'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps, là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service, et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme, pour te tenir chaud. Qu'est-ce qu'il fout? Bon. Alors. L'attendant vous proposera chaque jour de nouveaux objets gratuits. N'oubliez pas d'aller le voir quand vous manquez de matériel. Clé à griffes rouillées. Ok. On va aller voir le doc maintenant. C'est pas là. C'est là le doc? Non. Ah bah putain, je suis con, il faut descendre. Ah, on va pas pouvoir descendre. Le ciel est dégagé. De l'autre côté. Hop. Hé, tu sors? Bah non. Si je suis là, c'est tout ce temps. Mais tu vas me laisser sortir, bordel. Hey, nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Ah oh mon dieu, la lumière du soleil, j'y brûle! Bon, le bleu. Zeré est installé dans un smirmorque carré sur un terrain de jeu. En sortant de la tour, prends à gauche et fonce droit au sud. Tu peux pas le rater. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance! C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. Ouais, je me souviens, dans Dead Island, tu tirais avec le flingue, t'en avais 10 000 qui venaient pour te faire la peau. On fait un peu de bruit quand même là. Hein. Oh la parabole. Oh! Zombie! Ils ont l'air vraiment charmants. Alors, on doit aller là-bas. On va franchir le pont. Sauf que le pont, il y a une voiture enflammée. Je suppose que c'est pas terrible. Aïe! Genre, j'ai pas été blessé. Salut, bonjour! Putain, t'es résistant, bandeau, espèce d'enfant. T'inquiète pas, j'ai l'habitude. Putain! Ah ouais! Il y a le même contrôle que dans Dead Island. C'est bien ça. Tiens, mange! Hop! T'as une épée de table! Ah non, je suis juste essoufflé ça. Un brisé? T'es pas sérieux? Allez, allez, Tolio. Bon, on va peut-être prendre le large, hein. Adieu! Tiens, mange! Ah non, ça marche pas très bien. Ah, il est bon! Ah! On va peut-être souffler un petit peu. Par contre, là, il y a du grillage.
Donc je suis sûr que c'est là qu'il faut aller, mais il y a du grillage pour trouver un moyen d'entrée. Je pense vite fait en passant par là. T'as un problème ? Yeah, yeah. Ah non, là c'est un peu trop haut. Ok, bon, il y a des humains. Comment on fait pour rentrer chez vous, les gars ? Peut-être essayer de faire le tour. Ah, attends. Ah bah ok, du coup bête. Marche pas. Merde, je suis coincé. Ah, coincé, je suis coincé. Ah. Aïe. Non mais j'étais coincé, c'était pas terrible ça. Mais comment je fais pour rentrer ici, bordel? Ah bah voilà. Bijour. Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi t'es beau? J'espère que ces pourritures comprendront jamais comment grimper sur une camionnette. Mais oui, c'est clair. Docteur? Eh oh, y'a quelqu'un? Camden, tu es là? Mais... Je suis censé recevoir un vaccin. Quoi? Non, non, un inhibiteur. Ça s'appelle l'antizine. Ça bloque les symptômes. Assieds-toi. Ah, c'est pas un vaccin, là. L'antizine retarde l'inévitable. Le GRE n'a pas pu faire mieux. L'inévitable? Donc, y a pas de remède. C'est une variante de la rage. Il n'y a pas de traitement pour l'instant. Mais je fais des tests sur l'antizine et sur des tissus infectés. Un vaccin est envisageable, c'est certain. Sans rire, vous pensez pouvoir le trouver? Avec l'aide du docteur Camden. Oui, je crois. Où j'ai mis cet injecteur? Qui est le docteur Camden? C'est un collègue, coincé dans le secteur zéro, là où l'épidémie s'est déclenchée. On collabore par radio. Mais on aurait progressé bien plus vite avec une liaison de meilleure qualité. Ah, mais les transmissions sont coupées. Et si mes expériences avaient porté leurs fruits? J'ai essayé d'injecter des versions du virus recombinées dans des bouts de viande disséminés dans toute la ville. J'espérais que des infectés les mangeraient pour pouvoir observer et enregistrer les résultats. Ça n'a pas marché. Ah, ça n'a rien donné. J'ai honte d'avoir perdu autant de temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, plus besoin de garder de l'antizine en stock. Bon, je suis très occupé. Tu peux y aller maintenant. Où j'en étais, moi? Brecken a envoyé presque tous ses meilleurs gars. Raïm, Zeré m'a examiné et fait une nouvelle injection. Super! Ça devrait te maintenir un moment. Tant mieux parce que je commence à aimer te donner des ordres. Sympa. Alors, l'entraînement commence vraiment. Va parler à Spike. Tu le trouveras près du camion de Zéré. Il a du boulot pour toi. Ok, donc c'était bien le mec. I. Compétence. Ok. Nous survivants. Ah, d'accord. Pas choix. Nous survivants permettent d'accéder à des aptitudes, des plans et des gadgets. Pour augmenter votre niveau de survivant, aider d'autres survivants à relever des défis, machin, ok. On a compris. Ok. Point de compétence. J'imagine qu'il faut que je remplisse celui-là. Ok. Parfait. Encore Spike, de la main-d'œuvre au rabais. Je suis Crane. Super. Boucle-la et écoute. Il y a deux types de livraison. Dans l'une, il y a de la nourriture et du matériel médical et de survie. L'autre est bourré d'antizine. Le GRE va nous prévenir de leur arrivée en nous envoyant une vidéo. Le problème, c'est que ces livraisons d'antizine sont généralement récupérées par les gros bras de Rice. Et sans elles, nous sommes morts. Rice et ses gars n'opèrent qu'en journée. Parce que sortir la nuit est le meilleur moyen de se faire tuer. Mais les deux prochaines livraisons d'antizine auront lieu ce soir, au crépuscule.
Bracken veut les récupérer. Ça sera peut-être notre unique chance d'atteindre le parachutage. Et mon rôle, c'est quoi ? Je te l'ai dit, sortir de nuit, c'est du suicide. Ou du moins, ça le serait, si depuis des semaines, on ne préparait pas des zones sécurisées et des pièges. Bracken et son équipe ne risqueront rien ce soir si tu sors d'ici et que tu actives ces pièges. C'est ça ton rôle. Très bien. Où se trouvent les pièges et comment je les active ? Tu verras. Je te guiderai en permanence. N'oublie pas, sans ces pièges, Bracken n'a aucune chance. Et s'il ne rapporte pas l'antisine, c'est la fin. Avant de te lancer, prends quelques pétards. C'est moi qui les ai conçus. Ils sont très pratiques pour détourner l'attention en cas de souci. D'accord. Ok. Je voudrais juste savoir si des tabliers ou des trucs comme ça pour... Ah non. c'est pas comme dans Dead Island. Attends, mais de toute façon, non, je suis con, je peux fabriquer les trucs comme je veux avec les plans. Alors, kit de soins, 0 d'alcool, 0 de gaz, ok. Crochet, je peux en faire 2. On va voir ce que ça donne après. Pétard, plastique, produit domestique, cocktail molotov, et l'alcool forcément. La corde ? Ouais, pourquoi pas. Je suis Shuriken. Ah, c'est cool ça. Ok. Les cadavres, les coffres, les voitures abandonnées, d'accord. Okay. Explorer le monde à la recherche de coffres verrouillés laissés par d'autres survivants. Ouais, c'est pareil. Ok. C'est pareil que dans Dead Island, c'est parfait. Ok. Alors par contre, je me demande si, tout par hasard, comme ça, je peux essayer de réparer mes objets ou pas. L'acérateur. Pied de table, deux, un clou, ouais, bon bref. Écoutez, on verra en temps voulu, je pense. Bien. Je me demande si je me fais mal si je passe dans la côté des voitures. En fait. Ah oui. Aïe. Tiens, ça fait mal cette connerie. D'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. Ça activera le piège. D'accord. Ici Jade. Il y a quelqu'un dehors. J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane ? Écoute. Un de nos traceurs transformait une de nos plantes pour l'émission. Il est sur un terrain près de Vefa et de Myrmar. Les zombies sont partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ah, c'est cool cette sensation de fluidité comme ça là, c'est pas mal du tout. Ah! Ça fait mal, bordel! Ah oui, mais casse-toi la gueule, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut. Casse-toi la gueule, oui! Mais mesdames et messieurs, nous avons assisté à un suicide de zombies! Ok, il y a du monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. En français. Ah, problème. Ok. Viens là-dedans. Non. Ah, qu'est-ce que je fais? Ok, c'est en face qu'il faut que j'aille. YOLO! Ok, Jade, je suis sur place. Avec quelques infectés. Fais gaffe à toi, Crane. Tout va bien! Ah,
putain. Ça m'aura pas fait plaisir. Hop. Voilà. Oh. J'ai touché des boobs zombifiés. Sympathique. Bon, on va aider notre cher monsieur. Je crois qu'il est un peu mort. Ah, je crois que pour lui c'est fichu. Merde. Ok, c'est fait. Bon Dieu. T'avais pas le choix. Il n'était déjà plus humain. Magne-toi, tu dois encore allumer les lampes. C'est le seul moyen de sécuriser l'endroit. De nuit. Attends, mais sont où les lampes? Ah, d'accord. Ah, nice. Oh merde. On va monter sur le toit et contacter le greu. Comment ça se passe? Les lumières sont allumées? Presque. Laisse-moi une seconde. Qu'est-ce qu'il chante là? Stop chanter. Comment je fais pour monter sur le toit? Mais... Le mec qui chante là, c'est pas possible ça. Aïe. Faut encore que je monte, mais c'est pas sérieux. Ah. Et c'est Crane. Au rapport. J'ai rencontré le docteur, un scientifique. Il s'est fait un labo dans une sorte de remorque et travaille sur un remède contre le virus. Il s'appelle Zéré. Alors, vous me recevez? Affirmatif. Ajout d'un second objectif. Maintenez votre couverture et mettez ces notes à l'abri. Confirmé. Mais le fichier volé reste ma priorité, on est d'accord? Affirmatif. Il est peu probable qu'un chercheur travaillant seul dans une remorque parvienne à des résultats concluants. Mais si c'est le cas, nous voulons les voir. Okay. Jad, c'est fait. Bien. On devra préparer davantage de zones sécurisées comme celle-là. Spike te les marquera sur ta carte. Et Crane... Merci. À toi, Spike. Pour l'instant, tu dois revenir à notre mission principale et activer le prochain piège. Il y a une autre voiture à proximité. Compris. Ok, joue la voiture. Attends. Vous êtes pas sérieux là? Ok, je crois qu'on va devoir utiliser les pièges. Les pétards là. Pétard. Comment on fait? Ah, ça doit être un. Non. Je sais pas comment on fait pour activer un tir du truc secondaire. Non, ça c'est le coup de pied. Non. Wait, deux secondes. Apparemment, c'est le bouton central de la souris. La rue grouille d'infectés. Et tu en déduis quoi? Dégage de la rue, essaie de rester sur les toits, là où ils peuvent pas t'avoir. Spike, il y en a plein autour de la voiture. T'as encore des pétards, non? Jette-en quelques-uns dans le tas. Ces crevards oui. Se laissent facilement distraire. Y'a un mec qui vient de se brûler dans la caisse. Dans le... Non, sérieux? Je suis pas là. Ah non, je suis pas là, mais je suis vraiment pas là. Dégage. J'avais l'habitude du QTE de Dead Island. C'est pas la même chose. Yeah. Putain, je suis en train de mourir là. Ah.
Ah non, vous êtes... Ah putain, mais forcément... Pourquoi il y a plein de gens là? Tu veux voir les kicks là? Allez, c'est là-bas la fête, hein, dégage. Ok, prochaine voiture, là-bas. Allez. Ah putain, pas sérieux. Je suis pas là. La voiture, c'est réglé, Spy. Continue comme ça, tu devrais y arriver. Le piège suivant n'est pas loin. Bon, je devrais pas avoir à te le préciser, mais tu fais pas choper à découvert. Spike, ces monstres sont partout. Comment je fais pour utiliser un piège en cas de besoin? Tu peux pas. Je te l'ai dit, ils sont réservés à l'opération de nuit. Et merde. Ok. Bon. Moi, en tout cas, je pense que je vais arrêter cet épisode-là. Donc on va continuer à activer les pièges dans le prochain épisode. Merci à tous de suivre cette série et j'espère que ça vous plaît. Ciao, ciao.